Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une journée dans mon assiette. Alors je sais que ça fait longtemps, j'en suis d'ailleurs désolée, mais j'ai eu quelques petits problèmes de santé et aussi des problèmes techniques donc concernant le matériel et tout ça. Du coup, j'ai pas pu poster des vidéos régulièrement, j'ai posté des vidéos que j'avais déjà tournées, donc j'ai pas tourné de vidéos depuis à peu près un mois, parce que bon, comme je vous le disais, j'avais des problèmes de santé. Voilà, bah quand ça vous tombe dessus, ça vous tombe dessus, et puis bah là comme ça va beaucoup mieux et que bah, ma carte SD remarche et bon, il y a beaucoup de choses qui remarchent, du coup bah voilà, je me remets donc à faire des vidéos, j'espère qu'elles vous plairont, navré encore donc d'avoir pris du temps. Merci aux nouveaux abonnés, donc récemment j'ai une petite montée d'abonnés, je vous remercie énormément de m'avoir ajouté, de m'avoir ajouté dans votre playlist ou dans vos youtubeurs, bon je suis pas une youtubeuse de ouf, hein, mais dans vos youtubeurs favoris, je vous remercie énormément. Et donc voilà, bah aujourd'hui on se retrouve donc pour une journée dans mon assiette. Ce matin c'est pas de prise de tête. Après ça reste sain quand même, hein, parce que je pense qu'il faut quand même manger sain même si on n'a pas le temps. Donc oui, là comme vous pouvez voir, ce sont des muffins au blé complet. Je vous les présenterai aussi dans une vidéo retour de course que je vais bientôt mettre en ligne. Alors je me remets à manger du blé, mais à condition que ce soit du blé complet, c'est-à-dire vraiment intégral. Pour l'instant j'ai pas de dégâts physiques. Parce que comme je le disais dans mes barres d'infos à chaque vidéo, j'ai des problèmes avec le blé. Apparemment je peux en remanger, pas d'impact sur le poids, pas d'impact sur la santé, ni allergie, ni quoi que ce soit. Bien sûr à condition que ça soit du blé complet. Voilà. Et toujours, il faut toujours que je vérifie la fameuse étiquette des glucides, dont sucre. Voilà. Tant que je dépasse pas une certaine dose de sucre au niveau donc la catégorie sucre, ça peut aller. Ça dit que c'est du bon blé complet et que je peux en consommer. Voilà. Donc là je vais faire des muffins que je vais faire revenir d'abord dans une poêle parce que j'aime bien que ça soit un petit peu croustillant sur les côtés. Alors à l'intérieur je vais le laisser tel quel, je vais pas le faire toaster à l'intérieur exprès pour que ça reste fondant parce que je vais mettre ensuite du houmous. Donc la composition du houmous de Lidl est vraiment parfaite pour moi. Ah, après certains vont me dire ouais mais ça c'est ça. Moi je regarde toujours le sucre. Voilà, dans les glucides la catégorie sucre, c'est ce qui est important pour moi. Et donc un œuf. Donc là ce sont des gros calibres, hein. Il me semble que ce sont des gros œufs. Ouais, ce sont des gros œufs. Enfin ouais, des gros œufs. Voilà. Donc je vais en prendre un, je le partagerai en deux, je le mettrai dans voilà, une partie dans chaque muffin. De toute façon, je vous montrerai comment je vais procéder. Donc on passe tout de suite au toastage des muffins. Donc voilà, comme je vous disais, je vais poser mes muffins dans une poêle et donc je vais laisser toaster. Donc je vais laisser toaster quelques minutes et ensuite je les retournerai. Et une fois que les toasts seront prêts, je ferai cuire mon œuf. Ensuite je partage en deux, je napperai à l'intérieur de mes muffins avec du houmous. Donc une simple cuillère à café suffit. Et bah, voilà, après je me ferai une tisane et puis voilà, le petit déjeuner sera prêt. Voilà. Donc j'ai oublié de vous spécifier en fait. Tous les matins, avant de prendre mon petit déj, je me remplis une jarre d'eau fraîche. Voilà. Normale, fraîche quoi. Voilà, là elle est fraîche. Parce qu'en ce moment c'est la canicule et je peux pas boire de l'eau. Je peux autant boire une soupe. Hein. Si c'est pour boire de l'eau normale, autant boire une soupe. Hein. Donc ça c'est mon avis encore une fois. Donc là, c'est une jarre de 500 ml. Donc c'est quand même la moitié d'un litre. Et je mets un peu de citron dedans. Donc je bois ça avant le petit-déj. Donc je prends mon temps et tout pendant que mon petit-déj se prépare. Ou alors j'attends une demi-heure avant de préparer mon petit-déj. Et voilà, c'est bénéfique pour l'organisme. Je vous ferai une vidéo là-dessus sur ma chaîne. Où je vous parlerai donc des bienfaits de l'eau avant de déjeuner, c'est-à-dire à jeun. Et surtout le soir aussi avant d'aller dormir. Voilà. Petite précision donc concernant ma jarre, donc là où je viens d'en boire un peu. Voilà, en fait moi le matin j'ai tendance à me lever et en étant mouillé, c'est-à-dire je transpire. Mais c'est parce que c'est la canicule. C'est pas toujours comme ça. C'est uniquement quand il fait très très chaud. Donc je me réveille vraiment avec un mal de tête pas possible, mais ça veut rien dire. C'est juste que j'ai tellement transpiré que je manque d'eau. C'est pour ça que je me permets donc de boire ça. Quand il fait froid, je bois également de l'eau, mais je bois pas 500 ml. Je bois genre un grand verre d'eau. Mais là vraiment, je vous encourage à boire dès le matin avant de prendre votre petit déjeuner. Surtout, surtout, parce que vous avez perdu de l'eau pendant votre sommeil.
ou surtout pour la personne qui transpire. Parce que quand vous transpirez, c'est simple en fait. Je pense que vous connaissez le processus, hein, je vous prends pas pour des débiles, je vous apprends rien. Mais voilà, quand on transpire, c'est qu'on perd de l'eau. Voilà. C'est pour ça qu'il faut s'hydrater, parce que les dangers d'une déshydratation, je vous assure, ça peut vous laisser des séquelles et ça peut même vous conduire dans le coma. Et voilà, donc là, c'est la séquence Toubib. Hein. Je suis pas Toubib, mais je connais quand même un petit peu le processus de la santé et tout ce qui s'y attelle. C'est pour ça que je vous mets vraiment en garde. Vous vous levez le matin. Quel que soit votre petit déjeuner, quel que soit le moment où vous le prenez, ou bien vous devez aller au boulot sans déjeuner, buvez de l'eau. Vraiment, le matin à jeun, buvez de l'eau, c'est vraiment un grand conseil, que ce soit au niveau de la santé et que ce soit au niveau de l'hydratation. Voilà. Puis voilà, de toute façon, si vous avez des balances à un dépensemètre, vous verrez très bien. Un dépensemètre ? Ouais. Impédance-mètre, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, les balances avec le taux d'eau, de muscles, de graisse, tout ça. Vous verrez très bien que si vous avez pris du poids, ça sera de l'eau. Voilà. Donc surtout, ne vous privez pas. Par exemple, le matin, je sais pas, vous voulez vous peser le matin à jeun, pesez-vous à jeun et buvez votre eau ensuite. C'est ce que je fais moi. Je me pèse pas tous les matins non plus. Je suis pas une ouf. Je suis pas une psychotique de la peser. Mais voilà, vraiment, suivez mon conseil et voilà. Bah, écoutez. J'ai confiance en vous et puis prenez soin de vous. जश्न बहारा है इश्क ये देख के हैरा है कहने को जश्न बहारा है इश्क ये देख के हैरा है. Alors coucou à tous, on se retrouve maintenant pour le déjeuner. Alors pour le déjeuner, ce sera simple, j'ai ici 270 g de courgettes râpées. Donc vous voyez, elle est râpée grossièrement, que je vais faire réduire donc dans un petit peu d'huile d'olive et avec comme épice du sel de Guérande et du poivre. Donc j'ai râpé avec cet ustensile là, hein. Rien de bien énormissime, hein. c'est un râpe légumes. Par contre, utilisez bien celui là et évitez par contre de rapprocher vos doigts, parce que je me suis plein de fois éclaté les doigts. Voilà, j'ai fini plein de fois avec mes doigts en éventail, tellement c'est quand même assez. Avec la puissance, la vitesse et tout ça, ça vous râpe le doigt, quoi. Donc faites attention. Donc voilà, ça c'était la partie technique. Donc comme je vous ai dit, 270 g de courgettes râpées. Donc je vous montrerai comment est-ce que je les cuisine. Ensuite là, j'ai 60 g de riz complet, hein, comme vous pouvez bien le constater. Donc 60 g. Et enfin, un steak de soja, donc vous le retrouverez dans le hall de retour de course. Voilà, on se retrouve donc ensuite pour la préparation du repas de midi.
Thank you.